Puis Monsieur Yves Daniel. Merci Madame la Présidente. Monsieur les rapporteurs, développer l'avant d'habitation à loyer modéré, l'article 97 de cette loi offre une définition des sociétés de vente d'HLM, qui sont les sociétés à créer ayant pour objet l'acquisition et l'entretien des biens immobiliers en vue de leur vente. Vous rappeliez que le groupe Arson Logement a déjà lancé son opérateur national de vente. Suite au premier appel à manifestation d'intérêt, ce sont les 71 bailleurs qui ont répondu, ce qui correspond à 11 000 logements. Or, il apparaît que le décret définissant les clauses type des sociétés de vente d'HLM tarde à être publié. En l'absence de ce décret, leurs activités sont bloquées. Ce retard entrave les dynamiques volontaristes des acteurs du logement social. C'est l'objectif de 40 000 mises en vente par an reste aujourd'hui ambitieux. Pourtant, on voit une estimation des mises en vente après la publication de ce décret. Merci. Madame Do, si vous pouviez répéter votre question. La dernière question, c'est si l'objectif de 40 000 mises en vente par an reste aujourd'hui ambitieux, peut-on avoir une estimation de mises en vente après la publication de ce décret? Merci Madame Do. Monsieur Daniel.